Évasion vous emmène cette semaine à la découverte de l'une des plages les plus fréquentées, à Maurice. Montchoisy est située au nord-ouest du pays. Sa plage est réputée pour son sable fin et son lagon, turquoise. C'est un endroit privilégié pour se baigner. La plage de Montchoisy s'étend de Pointe-aux-Canonniers jusqu'à Pointe-aux-Piments, en passant par Trou-aux-Biches. Les Mauriciens ainsi que les touristes viennent ici pour profiter du lagon qui s'apparente en tout point à une immense piscine en plein air. Je suis arrivée à Maurice hier, je trouve ça bien, joli, dépaysant, un nouvel environnement, un nouvel endroit, les plages elles sont magnifiques, et voilà, une nouvelle culture aussi, parce que du coup en France c'est pas du tout pareil, voilà, de nouveaux paysages. Beaucoup la lumière dans nos pays, c'est nos pays qui ont gagné. La plage Montchoisy, il y a beaucoup d'activités, il y a du bouée, parasuite, il y a beaucoup de monde sans manger, il y a un nouveau du monde qui vient tous les jours, nous avons un nouveau du monde. Nous connaissons la plage pendant beaucoup de temps quand je suis petit. Ça fait 20 ans que je me suis rentré à la plage, que j'ai une licence ici, que je m'ai opéré. Ma famille vit avec ça. Ma famille, maintenant mon frère ici travaille ici, bosse. Tout le vie, comment dire, c'est un paradis. Vous venez là sans stress, la plage jolie. Quand vous levez, c'est de la joie, vous venez au travail. Quand vous venez, vous avez un nouveau dimo, nous causez, vous assisez, vous venez manger, vous là. Quand on finit, c'est à qui se dire aller. Là, il y a une nouvelle toilette, il y a un nouveau parking, une coupe de pied, une machine à rentrer dans l'ombrage. Tandis qu'avant, je me disais, ma machine de rentrer dans, j'ai fait la poussière. Il y a un transat parasol, il y a tout le monde qui repose. Comme ça, il n'y a même plus beaucoup la lumière. Avant, ma machine à transat, je me disais, c'est parce qu'il y a un peu de repos. Là, il y a un transat, je me disais, c'est reposé, il y a fait bouer, il est venu, il m'a aussi mangé. Sur la plage, une location de chaises avec parasol est proposée. Les sports nautiques sont également possibles. C'est l'eau calme et cristalline qui est le principal attrait de la plage de Montchoisy. Que vous souhaitiez faire de la plongée ou encore du snorkeling, explorer le monde marin coloré, une visite à la plage de Montchoisy ne serait pas complète sans un peu de temps passé sur le lagon. Étincelant. Quand on vient de la plage Montchoisy, on a plusieurs activités ici. On a une activité ici qui est une bouée, on a une planche à voile, on a la voile, tout ça là, on a un bateau fond de vieux. Bateau fond de vieux, quand on vient de prendre, on a fait un net en 45 minutes, 30 minutes ici, on a tout un corail, un vrai corail.
poisson, tout aussi même ça. Même un chili à côté, il n'est pas loin, je peux pas un chili, vous pouvez descendre, faire une photo, vous pouvez faire un petit plongée là-bas, vous retourner. Après, on va tout rapide, on va retourner, on va mettre des dauphins ici, plusieurs places, il y a des dauphins ici, souvent. Parce que tous les jours, il y a souvent un moment qui vient de dauphins ici. Après, sinon, on va avoir un ski nautique, wakeboard, tout ça, nous fait ici. Et après, nous avons un parachute. Parachute nous fait, mais ce n'est pas nous qui faisons, il y a une activité ici. Dans le lagon paisible, près des récifs, vous serez émerveillé par la richesse de la vie sous-marine. On vous emmène à présent explorer le spot de snorkeling de Montchoisy. Vous pourrez y admirer une myriade de créatures sous-marines, tels que les poissons perroquets, les idoles des morts, les poissons demoiselles et les poissons sergent-major. Les plus chanceux auront peut-être même la chance de croiser des tortues, des coraux colorés, des étoiles de mer, des vivanoarrés bleus, des dorades et une multitude d'autres espèces tropicales cohabitent ici et donnent la sensation d'être immergé dans un aquarium. Revenons maintenant sur Terre. Un peu plus loin, ces vaches et ces bœufs qui profitent de la saison estivale. Ces animaux font du pâturage à l'ombre des arbres.
un espace où ces animaux s'épanouissent en pleine nature. Cette image de ce veau et de sa mère a été, sans aucun doute, notre coup de cœur.